Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de traverser des cercles enflammés avec un véhicule. Alors il va falloir traverser deux cercles enflammés avec un véhicule et les cercles enflammés se trouvent ici, donc juste ici. Donc de toute façon je vais vous les montrer dans le gameplay et il y en a un autre qui se trouve juste ici. Donc là ce que je vais faire c'est tout simplement trouver un véhicule puis me rendre à ces emplacements pour réaliser le défi. Alors là je vois qu'il y a une pompe à essence juste ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à cette pompe à essence et logiquement il y aura sûrement bien un petit véhicule qui traîne que je vais pouvoir récupérer. Effectivement, regardez, là, il y a deux véhicules qui sont disponibles près du magasin de café. Donc c'est parti, je récupère le véhicule et je vais me rendre au premier emplacement. Et le premier emplacement qui se trouve juste ici, donc c'est le plus proche de moi. Alors l'emplacement, c'est tout simplement Risky Reels. Et là, je vais chercher après un anneau de feu. Logiquement, ça ne doit pas être trop compliqué. Regardez, là il y a un quad, je vais carrément prendre le quad, je pense que ce sera encore plus facile pour passer à travers le cercle de feu. Donc pour l'instant je ne le trouve pas, donc je vais chercher après. Ah ben c'est bon, j'allais carrément passer à côté. Donc le cercle de feu était juste ici, donc je suis même pas passé dedans, je suis juste passé à côté. Il était exactement ici. Ah ben regardez, il y en a un juste là aussi. Donc là il y a l'écran principal juste ici et en fait il y avait un anneau de feu ici sur cette montagne. Et il y a un anneau de feu juste là-bas. Donc je vais quand même essayer d'aller prendre cet anneau de feu pour voir si ça fonctionne. Parce que ça se tombe, on peut faire les deux anneaux de feu à un seul emplacement, au même emplacement. Donc là, j'aurais même pas besoin d'aller au deuxième emplacement que je vous ai montré. Et en fait, c'est même pas Risky Reels, c'est Rocky Reels le nom. Ils ont changé. Donc là, je vais essayer de passer à travers l'anneau de feu. Et logiquement, peut-être que ça devrait fonctionner comme j'aurais traversé deux anneaux de feu. Effectivement, il n'y a même pas besoin d'aller dans cette ville juste ici. Donc je ne sais pas c'est quoi le nom de la ville. Mais bon, vous pouvez vous rendre dans cet emplacement ici pour réaliser ce défi. Ou alors aller à Risky Reels pour traverser l'anneau de feu qui était ici et l'anneau de feu qui était ici. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo le mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.